Si Fabien Galthié est très occupé par la Coupe du monde de rugby, son fils Mathis continue de jouer avec son club. Malheureusement, le jeune homme a été victime d'un gros coup dur et les mois à venir s'annoncent compliqués. Si tout va pour l'instant plutôt bien pour Fabien Galthié et le 15 de France, ce n'est pas le cas de son fils, Mathis, qui vient de subir un gros coup dur. Pour le sélectionneur de l'équipe de France, les choses sont simples. Après 3 victoires en autant de matchs, les Bleus ont de grandes chances de terminer à la première place de leur groupe avec en ligne de mire un quart de finale explosif face à l'Afrique du Sud. Un match pour lequel les supporters tricolores espèrent plus que tout voir jouer la star et le capitaine de cette équipe, Antoine Dupont, revenir après une grosse blessure à la mâchoire. Il faut dire que le rugby est très certainement l'un des sports les plus dangereux au haut niveau et les blessures font partie du quotidien des joueurs. Ce n'est pas Mathis Galthié, le fils du sélectionneur des Bleus, qui dira le contraire. Comme il vient de l'indiquer sur son compte Instagram, le jeune homme de 21 ans vient à son tour de subir une grosse blessure et visiblement, ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Et merde, on y retourne une nouvelle fois, écrit-il en anglais, reprenant la phrase d'un célèbre mème qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur les photos, on peut voir le fils de Fabien Galthié sortir sur blessure avec son club de l'US Colomiers, qui évolue en Pro D2, soit l'équivalent de la seconde division. Si l'on ne connaît pas exactement la nature de la blessure de Mathis Galthié, il semblerait que le problème se situe au niveau du pied gauche et visiblement, ce n'est pas la première fois qu'il se blesse, vu sa réaction. Une blessure survenue lors du dernier match de son équipe, le 26 septembre dernier face à Provence Rugby et d'après ses dires, on n'est pas prêt de le revoir de sitôt sur un terrain de rugby. Merci à tous pour vos messages. On se revoit en décembre, conclut-il son message. Une bien mauvaise nouvelle donc pour Mathis Galthié et on imagine que son père a été présent pour le réconforter. Le rugbyman est malgré tout encore très jeune et sa carrière ne fait que commencer, lui qui évolue au poste de demi de mêlée, comme Fabien Galthié à sa grande époque.